Let's start again. Yop tout le monde, c'est Neski pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo sur ETS 2 et enfin avec mon nouveau casque les potos. Donc vous pouvez apercevoir que j'ai la voix un peu plus aiguë vis-à-vis du casque, c'est normal vu que le micro est d'une meilleure qualité et que j'utilise quand même le logiciel Realtek de Windows. Donc voilà, j'ai pas de carte son externe, donc c'est la carte son intégrée de chez je crois que c'est Nasus ma carte mère. Ouais, je crois que c'est Nasus, donc ça doit être ça, voilà. Et normalement vous devriez entendre beaucoup mieux, donc avec mon HyperX full aluminium, encore une fois. Je suis vraiment bien content de l'avoir, donc c'est parti. Alors, on transporte 18 tonnes de foot supplément. On fait donc Clermont, on va jusqu'à Clermont-Trado et on démarre donc de, si je me trompe pas, je ne sais même plus. Donc j'ai toujours mon Scania, on démarre de Bourges hein, jusqu'à Clermont. On a donc 5 heures pour faire cette livraison et normalement il n'y a pas grand chose je pense. 180 km pour arrondir, donc c'est parti. On va allumer le camtar, on n'a même pas mis de frein à main. Voici la remorque du jour les gars. Donc hein, c'est une remorque Rainer logistique. Donc pas mal ce pack de remorque que j'aime vraiment bien. Donc regardez, je vous rappelle que je ne sais pas. Non, la remorque doit être trop lourde, je pense, pour lever les cieux. Il y a quand même 18 tonnes, donc là, 18 tonnes donc de foot supplément. Allez, on va donc tout de suite démarrer. En tout cas, j'aimerais vraiment bien ce pack de remorque. C'est du moteur les gars. Allez. Hop, on y va, on met la première. Faudrait aussi que je pense à donc changer ma boîte à vitesse et me mettre en boîte 6. Parce que je préfère largement la boîte 6 à la boîte 12. Donc voilà. J'ai jamais eu encore l'intention, enfin l'idée de changer. Je suis vraiment désolé de cette petite et courte absence de vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pas agréable de jouer avec le casque que j'avais vraiment sur la tête. Donc j'attendais vraiment d'avoir mon nouveau casque donc, que j'ai eu par mes propres moyens, encore une fois. Il n'y a pas de monnaie YouTube, donc pas les moyens vis-à-vis de YouTube de s'en acheter ou autre. Donc voilà, étant donné que la communauté n'est pas encore énorme. Donc dans tous les cas, de toute façon... je suis bien content d'avoir eu ce casque parce que franchement, le confort y est. Franchement, le confort y est. On va pas se le cacher. J'ai gardé beaucoup de unboxing sur ce casque. Et franchement, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de mensonge dans ce que les gens y disent. C'est vraiment ce que les gens disent. C'est vraiment la réalité. Confortable. Pour le prix, ce que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier, unboxing, vous avez vu pour le prix, allez, je l'ai payé 70,70€ pour les intimes. On a donc les coussins de rechange donc pour les oreillons en velours, plusieurs types de connectiques, dont une rallonge de presque 2 mètres de câble, câble tressé, le casque full aluminium. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mis à part peut-être le micro qui est un peu trop aigu à mon goût, c'est peut-être une habitude à prendre, mais dans tous les cas, franchement, la qualité sonore et tout, c'est vraiment un truc de ouf. Je recommande ce casque encore une fois, et encore un grand merci à tous ceux qui m'ont donné des avis positifs de ma vidéo, ça me fait énormément plaisir. Donc, si jamais j'ai du colis, je vous le présenterai. Et puis voilà. Donc allez hop, c'est parti. Donc on roule en direction donc de je ne sais même plus. Donc de Clermont, on va à Trado. J'ai 3% de dégâts. Bon, j'ai pas réparé. Je vous avoue que j'ai pas touché Euro Truck depuis que je vous ai fait la dernière vidéo. Même pas en multi, vous pouvez voir une absence même sur Twitch de mes vidéos de mes lives Euro Truck, mais pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas envie de streamer. Déjà comme a dit Neski, on t'entend pas, le son de ta voix est trop faible, parle plus fort et tout, j'étais déjà limite en train de crier. De là comment je parle avec ce casque,
Je parlais exactement pareil avec l'autre. Le problème avec l'autre, c'est de la pure merde. Donc je vous déconseille Dragonware pour les casse-gros, les gars. Parce que ouais, Dragonware, on n'entend rien en vidéo. Et alors, niveau confort, c'est zéro. Je mets un zéro à Dragonware. Le casque, à la place de se poser sur la tête, comme le casque ici, il se pose sur la tête. Et l'arceau, il vient encadrer tes oreilles et tout, ça s'encadre bien. Et voilà, lui non, le Dragonware, qu'est-ce qu'il vient faire? Il écrase tes oreilles, comme j'avais déjà expliqué, je pense sur un live ou autre, je sais plus. J'avais expliqué donc, ce casque, il écrasait les oreilles. Et comme moi, ben, j'aime bien jouer quand même quelques heures la soirée avec les potos, donc vous voyez mes lives un peu le soir. Voilà, donc la soirée j'aime bien jouer quelques heures, bah, quand je retirais ce casque les gars j'étais soulagé. Parce qu'en fait je sais pas comment on appelle ça la partie exacte de score. Mais le genre de croquant qu'on a sur l'oreille en fait, mes lobes et tout, et cette partie là était écrasée. Et alors il y avait mon croquant, le casque touchait le croquant, bah, franchement ça forçait dessus, ça me faisait un mal de ouf. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Je retirais ce casque, j'étais vraiment soulagé, j'étais... Enfin, je vais quand même pouvoir aller m'allonger, me reposer, sans pouvoir me dire « Putain, j'ai mal encore. » Je le disais même au poteau, j'ai vraiment mal avec ce casque de merde. Vivement que mon nouveau arrive et tout. Donc, je garde ce casque uniquement donc pour le PC. Sur la console, je garde donc l'autre casque qui est de très bonne qualité, je trouve, donc pour le PC. Ce qui est plutôt nickel pour ma part, en tout cas. Et j'ai jamais encore entendu personne se plaindre. J'ai regardé mes vidéos et on entend vraiment bien. Bon, je suis vraiment désolé pour le désagrément qu'il y a sur la dernière vidéo FS17 de ce lundi. Du coup, qu'on entend toujours LST débrancher son micro. Du fait que bah, il disait qu'il y avait de la musique chez lui et que ça pourrait engendrer des problèmes sur ma vidéo. J'ai fait, bah écoute, si franchement ça m'aurait dérangé, je te l'aurais amplement dit. Et donc, voilà. C'est pour la simple et bonne raison, donc il y a ça, je suis encore désolé. La prochaine fois, on essaiera de plus faire ce genre de choses. Et je lui ai parlé et tout. Et en tout cas, vous êtes nombreux sur les lives FS17 aussi, j'ai remarqué, par rapport à Rainbow. Bah, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Bon, j'ai quand même des vues sur Rainbow. Il n'y a pas photo, les gars, de toute façon. Moi je fais ce qui me plaît sur la chaîne, donc il y aura différentes communautés, il y aura la communauté Simu, la communauté FPS, voilà, il faut qu'il y ait différentes communautés sur ma chaîne, dans tous les cas, parce que de toute façon, moi je fais le genre de jeu et les jeux que j'aime sur ma chaîne. Donc ça sera vraiment ça en fait sur ma chaîne qu'il y aura, et bah, au moins ça divertit tout le monde. Pour les gens bah, qui aiment le multigaming, bah, il y aura du multigaming, donc il y a de la Simu, parce que je suis vraiment fan de la Simu, mais comme j'ai dit... voilà, j'aime varier. Prochainement, il y aura aussi du Call of Duty World War 2. Donc, le nouveau qui va sortir. Il y a pas mal de fuites qui se font encore. Donc, je ferai une vidéo certainement pour informer à ce sujet. Tant que ce n'y a rien de sûr, je ne ferai pas la vidéo. Il y aura encore du Rainbow. Alors, pour vendredi, j'ai certainement un bête petit jeu qui va arriver. Et je vais certainement faire aussi... Je vais peut-être présenter du Home City 2 ou quoi, j'en sais rien, on verra. Donc voilà, j'en sais rien, on va voir ce qui va tomber. C'est vraiment ce qui me plaît, je regarde après des petits jeux. Et comme je vous ai dit, je viens de faire encore une fois les frais d'un nouveau casque, les gars. Donc c'est logique que je n'investis pas dans des jeux, étant donné que je paye toujours de ma propre poche. Hein. Donc je paye de ma propre poche mes jeux, mes casques et tout. Donc voilà, comparé à d'autres youtubeurs où ils ont des partenaires de ouf, ils leur envoient des jeux et tout. Moi c'est pas mon cas. Tout ce que vous voyez sur la chaîne, c'est moi qui ai investi. Oula, désolé. Donc c'est mon investissement. C'est moi-même qui ai investi encore une fois. Et voilà. Donc voilà, à côté de ça, j'ai quand même une famille à nourrir, un loyer à payer. Voilà, vous devez, enfin certains d'entre vous comprendront et m'encourageront là-dessus. Et puis ben, les autres, voilà, les autres qui pensent qu'à eux, ben tant pis pour eux. Voilà, moi je fais comme je peux et donc comme je peux et du mieux que je peux pour donc essayer de vous donner un max de qualité encore une fois. Donc
Voilà, j'ai fait des lives, j'ai essayé de me démerder pour avoir un casque, parce que j'ai vu que vis-à-vis de ce que vous étiez en train de me dire, mais ça ne fonctionnait pas. Oula, on est arrivé un peu vite. Il n'y a personne pour que l'attente, ça hurie. Donc vis-à-vis de ce que vous étiez en train de me dire, ça n'allait pas pour les lives, donc j'ai tout de suite arrêté, j'ai dit non, c'est bon, j'arrête, je reprendrai les lives quand j'aurai mon nouveau casque, bien entendu. Donc voilà. Nous sommes arrivés à Limoges, à Clermont. Ça a été vraiment plus vite que prévu, les gars. En tout cas, dans les prochaines vidéos, on en reparlera. Donc, j'ai toujours la série Je présente vos chaînes. Merde, je fais vraiment des conneries. Hein, est-ce que je devrais pas aller? Je présente vos chaînes. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like à la vidéo. Et je participe à avoir une bannière, un logo et une vidéo au moins publique pour participer. Donc c'est les critères que je demande. C'est pas énorme. Et puis voilà. Je pense que ça a l'air de plaire. C'est un concept qui a l'air de plaire. En tout cas, de rien à tous ceux qui m'ont dit merci. De rien à tous. Si ça vous fait plaisir, à moi aussi. Parce que c'est mon but un peu. De faire différents concepts encore une fois sur la chaîne hein. Donc voilà, on va rentrer ici, faire donc différents concepts sur la chaîne, c'est plutôt pas mal hein, je trouve, de varier les choses et pas tout le temps faire le même, ou sinon voilà, les gens ne seront pas contents et puis voilà. Donc voilà, l'entrée est juste ici des trados. Hop, on va rentrer ici. La qualité sonore, elle est vraiment excellente. Alors, c'est à l'arrière ici. On va encore galérer à se garer. Donc, on y va à Clermont-Ferrand. Donc, dédicace à tous ceux qui habitent à Clermont, de mes abonnés. Et voilà. Donc, j'ai le DLC Vive la France. Prochainement, j'essaierai d'acheter encore une fois, de mes propres moyens, les autres DLC pour vous faire un tour. Donc, j'ai dit que ici. Pour tous ceux qui n'ont pas le DLC, ça serait bel et bien de vous le montrer en vidéo. Allez, donc on va manœuvrer donc pour rentrer dans ce trou. Je vais regarder si je suis bien mis. Ouais, ça devrait le faire, écoutez. Je suis désolé si vous entendez le volant, vraiment ce micro est de qualité de ouf. Donc on va redresser doucement. Donc encore une fois, voilà, ça devrait le faire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que vous avez certainement dû voir pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qu'il n'y aura pas de live donc cet après-midi, qu'il n'y a pas eu de live dû à un enterrement donc que j'ai donc dans la famille, hein, c'est familial. Et donc pas de live vu que j'ai l'enterrement ce mercredi après-midi. Donc encore désolé. Et pour ceux qui veulent être informés, les réseaux sociaux sont donc là. Et je vous invite à vous les rejoindre. Ils sont dans la description. Donc Facebook, Twitter et tout le bordel. Voilà. On décharge. Excellent. Donc on a mis temps de transport 2h48 minutes, on a fait 184 km et on a consommé 59,3 litres. Voilà, donc on a fait un parcours parfait, 8 039 €, on est level presque 53 et donc de toute façon, au prochain numéro, on se retrouvera pour une nouvelle livraison, peut-être même un peu plus longue. Et on se retrouve aussi sur les lives de TS2 prochainement. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, YouTube, Facebook
Twitter, tout dans la description, les potos. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous dis encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez, donnez vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous dis ciao et bye bye. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao.